Yo les potes, c'est une nouvelle vidéo, c'est la troisième fois que je la fais, ça commence à me saouler. C'est par rapport au vaisseau qui est là, il y a plusieurs missions à faire avec. Oh, il y a du monde et tout en plus. Il y a des mecs qui me tirent dessus, mais gros, mais il a aucune vie lui. Alors, premièrement, il y a une pièce à récupérer ici. Vous montez et vous prenez la pièce. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième pièce à récupérer. Donc là, vous voyez, c'est dans le cratère. La deuxième, elle va être sur les rochers là-bas. Moi je les ai déjà prises évidemment parce que c'est putain de buggé. Bon, arrêtez de me tirer dessus, c'est les missions, ils sont pas sérieux. La deuxième pièce elle est juste là. Je vais le défoncer. Ensuite la troisième elle est à côté du vaisseau là en dessous ce rocher les gars. Je vais vous montrer. Juste en dessous du rocher là, vous cassez, c'est la troisième pièce. Voilà, juste en dessous. Ensuite vous les posez. Vous les posez donc une là, une là et une là. Et après vous devrez lancer le vaisseau. Donc là moi je peux pas le faire. Et après quand vous l'aurez lancé, et ben il y aura trois failles qui vont apparaître. Et un coffre en dessous là. Bref, on va attendre un peu. Vous voyez le vaisseau il démarre. Je les ai tous tués parce que ça m'a saoulé. Et après il y a des failles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remontre trois emplacements. Le premier est sur la montagne là, ensuite là à côté de la pierre, un en dessous ici. Après vous les installez sur le vaisseau, il y en a trois à faire. Et après vous lancez, là, vous lancez le vaisseau et ça se lance. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pensez au code CRATERNSQ dans la boutique. Ciao.